Nous comptons ensemble avec vous pour la deuxième sortie nous pour semaine et pour le mois de septembre en même temps. Tout. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Et j'en souhaite tout le monde passer un très bon mardi sous TNH, abdominé actualité. Président République là et puis ministre éducation nationale et formation professionnelle là l'ouvrit officiellement année scolaire 2018-2019 là pendant une cérémonie qui déroulait hier lundi à l'école nationale Célice Lilavoie avec l'école nationale République Brésil. Dans différents départements pays d'Haïti, activité scolaire ont démarré officiellement. Merci, remerciement, distribution valise et matériel scolaire. C'est quelques éléments qui marquent la première journée de l'école pour l'année 2018-2019. Plusieurs équipes nous ont déployées dans différentes régions du pays. Il y a bien pour dire nous, les gens s'attendent. Sénat République là apparaît pour recevoir Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan avec maman gouvernement li dans cadre séance ratification déclaration politique générale li dans parlement haïtien. C'est président Grand Croix Joseph Lambert qui fait annoncer là. Et puis à l'étranger, dans international là, ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva qui ferme en prison pour 12 années pour cause de corruption. Continue à mener bataille juridique là pour si tribunal supérieur électoral a d'accord les candidats pour prochaine élection présidentielle. C'est pour ça que nous avons pour nous dans le journal la matière là. Été branché. Pas déplacé la petite pause. Merci pour fidélité ou attention à l'édition nouvelle. C'est là nous retournons pour le développement information. Et je nous ai dit tout dans grand titre, année scolaire 2018-2019, l'ouvrit officiellement sur tout le pays hier lundi 3 septembre. Dans l'occasion, président République Jovenel Moïse, qui était gagné avec plusieurs autres personnalités, participer dans la cérémonie lancement, qui déroulait dans l'école nationale Céline Lilavoie, avec l'école nationale République Brésil. Chef d'État qui était gagné avec l'État Premier Dame République la Martine Moïse t'a profité distribuer kit scolaire livre et uniforme by élève. Sabine Jaïtien avec Jean-Yves Duvenne est sur place et a présenté nos reportages. Une école inclusive pour une nation solidaire, c'est sous thème ça année l'école 2018-2019 la lancée journée lundi 3 septembre. Pour année ça, autorités concernées ont adopté plus de dispositions pour éviter des dérapages et puis pour permettre bien plus l'ordre dans le système. L'État aujourd'hui respecte à la lettre parole, maman, loi, constitution qui dit si moun sorti première année, privé sixième année, pas de payer dans l'école. Donc, capable vérifier la banque déjà recevoir et bien l'argent 50%. Pour 750 000 timouns qui trouvent en première année, qui viennent en sixième année. Quant à moun qui dans le lycée, instruction déjà passée à tout directeur départemental, à tout concerné, à ça, quel que soit timoun qui dans le lycée, li pa gen pou payer plus passer 1000 gouttes pour toute année. Et dans 1000 gouttes là, tout bagay la donne. Frais d'examen, dépliant tout la donne. Et nous lançons pinga à tout directeur lycée. Qui connaît engagement après 5 ans président Jovenel là pour nous aller pour l'aller pour gagner dans le système éducatif haïtien pour pas qu'on mettre dans salle de classe pas lettre mais yo pas gagner lettre mais si nous même nous pas l'état responsable sur ça parce que pour nous entendre dans salle de classe c'est l'état pour nous même c'est l'état qui autorité nominative mais je m'agarde qu'on fait dans les autres là nous venons nous date et dans sens ça nous dévoyer dans la chambre des députés. Dans le Sénat, le président de la commission d'éducation là, il est capable de témoigner. Tout juge, commissaire, gouverneur recevoir lettre, qui recevra non, adresse enseignant ça, qui prend l'état d'assaut. Nous avons combattu la corruption à tous les niveaux. Président républicain Jovenel Moïse dit qu'il est important pour la société à gagner plus de monde qui a l'école. Chef l'État répète quoi? Terme l'école inclusive pour une nation solidaire, hein, tombé d'aplomb avec l'idée la prône pour le développement pays. Hein. C'est pas gouvernement seulement qui est pour inclusif, c'est société qui est pour inclusif, c'est pays en général
grande ville là qui pour solidaire, qui pour faire que mon pays vienne rêver. C'est donc aujourd'hui, si mon yo entre l'école, mais entre l'école ça a fait sous un fond de solidarité. Solidarité entre tout haïtien, pour tout haïtien de tête ensemble. Parce que tête ensemble, ensemble, lui même nous ne pouvons rien que nous avons réglé dans le pays. Après du développement que nous rêvons, nous tout l'entour, nous supposons maintenant l'ordre de discipline. Si moun sa aujourd'hui, qui prend l'école là, c'est eux qui prennent le grand monde demain. Si nous besoin une meilleure société dans 25 ans, c'est aujourd'hui pour nous commencer à faire un encadrement. Mais je dis tout, là nous prenons une décision pour nous entrer dans l'État sur le concours. Si moun sa aujourd'hui, c'est eux qui l'école aujourd'hui, pour leur arriver dans l'âge, côté au fini l'école, de faire l'université. Pour pas obliger son monde pas pour rien qui vous faire un job dans l'État. Pendant le lancement officiel, on a distribué kits scolaires, manuels et uniformes par élèves. Parmi en pile décision qui prend pour soulager parents à rentrer l'école là, il y a plus passé 100 000 uniformes, 220 000 kits et plus passé 1 500 000 ouvrages qui ont distribué par les gens qui sont quartier défavorisé. N'a quitté département l'Ouest, pays d'Haïti, nous prenons la grandance, puisque il y a diverses activités qui réalisées dans le cadre de la première journée de l'école, parmi eux, messe au remerciement. Ricardine des Anges, avec Richie de Gerville, t'es déplacé, y a besoin que j'en sache. C'est en présence de diverses autorités scolaires dans le département de l'Instant, parmi eux, directeur départemental ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, Jean Sodefin, mais cette action grâce à célébrer une façon pour l'ouvrir officiellement l'année académique 2018-2019 dans le département de l'Instant. Célébrant principal là, Monseigneur Marc-Arthur Émile, félicité parents et responsables dans le département pour façon dont ils ont contribué pour l'année académique 2017-2018 là, pour une réussite. Sans l'école, est foutu. Sans l'école, un pays disparaît purement et simplement. L'école fait voir l'avenir différemment. Celui qui va à l'école peut continuer à espérer. Une façon de vous dire, chers élèves, l'école est importante. Chers élèves, je vous exhorte à prendre au sérieux vos études, car votre vie future en dépend grandement. Si l'Esprit Saint reste le premier protagoniste de la formation, vous êtes cependant un acteur incontournable dans votre propre formation. Directeur départemental ministère éducation nationale et formation professionnelle a encouragé les vieux pour le travail pendant les rappeler au engagement ministère à prendre pour permettre si nous recevoir une instruction en plus bonne condition pour un travail pour améliorer la qualité d'apprentissage là. Première journée ça c'est bien réussi dans la mesure où attente nous combler mais ça a bien passé Timounio là yo prêt pour l'école moi tout part à pied d'œuvre donc l'ouverture est assurée. Attente nous c'est que l'école a fonctionné professeur yo directeur yo inspecteur, vous faites travail yo, et chaque monde qui gagne classe ou bail temps d'apprentissage là augmenté le bail ti moun yo ti sa gwini pour yo pour yo même yo gagne espoir gagne un avenir meilleur même y avec nous aujourd'hui en qui dirigeant. Il y a plusieurs centaines d'élèves, professeurs et parents qui ont participé dans traditionnel messe action gasa qui déroulé dans la cathédrale Saint-Louis dans ville Jérémie. N'a quitté Gradas, non pralé dans le département Artimonite, puisque gagné délégué départemental Artimonite là, Herbie Dalako, qui distribue kit scolaire par élèves dans l'école Gonaïve, hier lundi 3 septembre, dans le cadre d'ouverture officielle l'école là, pour année 2018-2019 là. Distribution ça, qui réalisé dans l'école nationale Pongode, permettre aux parents et élèves de recevoir kit scolaire, bénéficiaires et témoigner de satisfaits. Une délégation ministère éducation nationale avec formation professionnelle qui sorti dans Port-au-Prince qui gagne en tête li Emmanuel Bernard accompagné à directeur départemental MUNFP dans Noa Dominique Zéphirin
distribuer kit scolaire par plusieurs élèves et parents dans la ville lundi 3 septembre. Activité ça déroulé dans la salle auditorium lycée Philippe Guerrier. D'après responsable, c'est un geste de solidarité qui fait une façon pour aider ceux-là qui en ont besoin. Kit scolaire là, son geste l'État, son geste gouvernement pour montrer que question de Haïti solidaire là, c'est un bagage important. Mais tout c'est pour aider ça qui pas capable, ça qui gagne moins de moyens, joindre en façon de plus pour voir les gens à l'école. Et aller ça. Nous connaissons que la question est dure, donc le ministère là, il fait un peu l'effort, il met des livres, il met des uniformes, il met, je dis à kit scolaire, de telle sorte que pour encourager les gens à retourner à l'école rapidement. On a distribué kit scolaire en même temps que nous souhaitons motiver les parents, les élèves et la collectivité sur l'ouverture et sur l'enjeu d'éducation, sur l'importance d'éducation en Haïti. Les écoles privées déposent ça travail, les écoles privées déposent ça travail. Pas. Maintenant, nous disons que faut pour ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des revendications qui sont nobles pour capable satisfaire les revendications au fur et à mesure. Mais au même temps, faut que vous compreniez que les vieux pas perdre du coup, les gens ont perdu du coup à l'année pour capable au moins comprendre un jeu de gain d'éducation pour éviter éviter déçu, éviter trop écart au niveau de la société, éviter division, tout ça. Faut que les gens ne soient pas frustrés pour l'école privée à travailler. L'école privée pas travail. Ouais, nous demandons à ce que vous même capable en tant que parent, en tant que professionnel. Maintenant, puisque l'État doit, l'État a payé, de pour qu'on l'ait nomination dans mon l'État a payé arrière des salaires. Maintenant, il faut que vous embarquez pour que l'année ça nous passe une belle année scolaire. Nous descendons sur le bicentenaire Port-au-Prince pour nous rentrer dans le Parlement haïtien. Il y a un député Jacques Mella qui était là, Jean-Philippe, qui m'a dit ministère de l'Éducation nationale à formation professionnelle pour les prendre toutes les mesures qui sont nécessaires pour l'année scolaire 2018-2019 là, capable d'un succès. Parlementaire, il y a un ministre qui est là pour capable d'essayer de jouer en entente avec différentes organisations syndicales. En tant que président de la commission éducation au niveau de chambre députée, parlementaire a annoncé à bien une rencontre qui est faite avec un ministre éducation nationale et formation professionnelle pour capable garder qui meilleure formule que capable jeune pour année scolaire capable un succès. Annoncé de l'extrême. Parce que les parents ont courage, parce que les parents ont investi en film pour une formation petite. Moi, c'est de tout pour nous participer, pour nous faire une bonne année scolaire. Côté ministère pour la responsabilité, engagement de la bonne. Et par ailleurs, on va accompagner les gens qui sont capables de faire étudier les gens. Professeurs, on va présenter dans la salle de classe pour faire cours. Un message pour enseignants, nous connaissons un métier difficile. Nous ne pouvons pas payer nous assez pour nous faire métier ça. Même quand c'est son choix pour le pays. Et potence. Un métier ça qui est un métier difficile. Et sans professeur, il n'y a pas qu'à avancer, pas qu'à développer. Il y a un pile de débat qui fait sur la question manuel scolaire. Comme dit nous jusqu'à présent, manuel, il y a un pile là de beaucoup sous marché. Un problème qui existait entre la maison des champs et le ministère de l'Éducation nationale. Et d'abord, la maison des champs, il demande que le chèque là disponible avant de mettre les jeux sous marché. Et c'est comme ça chaque année, ils ont fait d'après l'information de M. Deschamps. Et Deschamps est capable de mettre les vieux sur le marché et puis dans un chèque là. Moi, j'apprends que le ministère des Finances a travaillé sur ça pour mettre la disponible rapide pour que les vieux soient sur le marché très rapidement. Nous avons toujours été dans le Parlement haïtien, sauf que nous avons quitté la Chambre des députés, nous avons aller dans le Sénat républicain. Puisque nous avons un président Grand Croix, Joseph Lambert, qui a annoncé que le Sénat a écrit le Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan pour capable informer les pour être capable de faire déclaration politique générale dans le Parlement haïtien. Sénateur Lambert dira pour commission spéciale qui a travaillé sur le dossier Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan déjà disponible. D'après lui, le Sénat pas responsable ou état qui enregistré qui fait Premier ministre nommé pour qu'on vienne faire déclaration politique générale dans le Parlement haïtien.
En nous soutenant externe, la déclaration de Nico Fenda Confident avec Moïse Oulich. Il est question que le Premier ministre a présenté et soumettre à l'appréciation sénateur copie déclaration politique générale là 48 heures à l'avance. Jusqu'à présent, rien. Deuxièmement, il était impératif tout pour que nous assurions que le Premier ministre ainsi que le président de la République là, de commun accord, mettez-vous d'accord déjà sur la formation cabinet ministériel. Ni moi-même, et moi-même comme président du Sénat, et le président Garibaudo, et le commun des mortels dont nous-mêmes la presse, très certainement, nous sommes capables de gagner une rumeur là, mais nous pouvons même former même de composition cabinet ministériel. Nous avons précisé que la commission spéciale qui travaille sur le dossier Premier ministre, est prêt. Et est prêt depuis la semaine dernière. Et jeudi à même, à recevoir une lettre de commission qui va demander d'inviter le Premier ministre pour le venir même demain, pour le venir mardi, mercredi ou bien jeudi. Parce que l'impératif pour que c'est 48 heures à l'avance, tout sénateur gagne un dossier ça, puis est capable d'approprier au delit en façon pour qu'il adresse des questions pertinentes au Premier ministre sur des éléments contenus dans sa déclaration de politique générale. Député circonscription Kaya Lila Vachla, Clovis Robas, Zili d'accord avec l'idée de commission spéciale qui a travaillé sur l'amendement constitution qui souhaitait diminuer la quantité de députés et de sénateurs qui trouvent l'eau d'après le budget république. La. Parlementaire, quoi yon démarche consacre à aider plus travail, infrastructure et développement qui fait dans le pays d'Haïti. Député Robas dit li prêt li même bon côté parlant pour voter en faveur yon proposition konsa si commission t'arrive fèlè. Nan micro Fenia Confident ak Ben Amasey an nou second extrait. Pour ta vin gen yon grand député pour chaque arrondissement, pour ta vin gen yon grand sénateur pour chaque département. Parce que sincèrement, moi même en tant que député jodian, moi réalise vraiment que chaque grand député et par rapport à coût li coûte trésor public là qui sont coûts normal parce que pour un député fonctionner un ensemble de bagages qui doit à disposition pour fonctionner mais là prend quantité de députés multiplié par et valeur bagages qui doit disponible pour un grand député li bay une quantité qui vient tout non poids lourd pour budget national là pour trésor public là et là n'a regardé niveau de pauvreté pays a gagné au lieu que nous t'aller dans sens que moi même moi t'ai allé tout anciennement qui c'était goumen pour chaque commune d'avine un député par exemple moi maintenant niveau nous ouais pauvreté à lui-même la augmenter dans pays a niveau misère gain niveau des chances économiques pays a pour aller là nous estimer que si d'avine gon réduction sous nombre parlementaire tant à la chambre basse qu'à la chambre haute l'état fait population du bien parce que là on additionner et bien et multiplier tout et bien et qui ça qui doit disponible pour un grand député fonctionner. Eh bien, par nombre de députés gagné, nombre de sénateurs qui gagnent tout, ça fait un pile mal sur le plan économique à PIA par rapport à sa PIA qui a disposé en termes économiques. C'est sur notre ça, nous faisons un chapitre local là, nous prenons l'autre bord de l'eau. Nous prenons rapidement dans le pays Japon, puisque jeudi, c'est un typhon qui a saccagé l'ouest du pays Japon. C'est le typhon qui est plus violent pays ça pour que je me connais depuis 25 l'année. Et nous avons dit plus. C'est le typhon le plus de l'archipel accompagné par endroits de rafales de plus de 200 km/h. Les autorités ont recommandé à plus d'un million de personnes de rejoindre les refuges mis en place dans les zones à risque et près de 200 000 foyers et bâtiments ont été privés d'électricité. L'aéroport de Kansai, près d'Osaka, lui, en partie, était inondé et plus de 650 vols annulés dans l'ensemble du pays. Jebi est le 21e typhon de la saison en Asie. N'a privé pipré nous, gagné un ancien président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, qui fermé en prison pour 12 années pour causer corruption, qui continue à mener bataille là au niveau judiciaire pour le tribunal supérieur électoral là, qui a d'accord les candidats pour la prochaine élection et présidentielle. Heureux nous avons dit
Condamné à 12 ans de prison, Lula n'entend pas renoncer à l'élection présidentielle d'octobre. L'ancien président brésilien va déposer deux recours pour pouvoir être candidat. Vendredi dernier, le tribunal supérieur électoral l'a déclaré inéligible. Mais pour son colistier, rien n'est encore joué. Il y aura deux demandes, deux recours réclamant la suspension de cette décision, tant au niveau électoral que criminel, pour qu'il ait le droit d'enregistrer sa candidature dans le délai imparti des 10 jours. Ces deux recours seront déposés devant les Nations Unies et la Cour suprême brésilienne. Le Parti des travailleurs de Lula va notamment faire valoir l'avis du Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui avait estimé mi-août que l'icône de la gauche devait pouvoir se présenter tant que tous ses appels en justice n'étaient pas épuisés. Malgré l'invalidation, Lula reste largement en tête dans les sondages. Condamné il y a plus d'un an dans une affaire de corruption, il affirme être victime d'une vendetta politique. Et c'est là, journal là, rivé dans le bout de l'île, avant que nous nous babayons, permettre que nous rappelons un grand point qui dominait l'actualité. Président de la République là, et puis ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle là, l'ouvrit officiellement année scolaire 2018-2019 là, pendant une cérémonie qui déroulait hier lundi à l'école nationale là, Célie Kishitana Lilavoie avec l'école nationale. République Brésil. Dans différents départements paysans, activité scolaire ont démarré officiellement. Mais ça remerciement, distribution valise et matériel scolaire, c'est quelques éléments qui marquent la première journée de l'école là pour l'année 2018-2019. Là. Plusieurs équipements ont été déployés dans différents régions du pays. Ils ont été présentés dans le journal là, qui Jean Satir. Sénat républicain apparaît pour recevoir Premier ministre nommé Jean-Henri Séan et membre gouvernement dans le cadre de la séance ratification déclaration politique Luis Ignacio Lula da Silva qui ferme en prison pour 12 années pour cause de corruption continuer à mener bataille juridique là pour si tribunal là si pegue électoral là ta d'accord les candidats pour prochaine élection présidentielle là qui vient pour dérouler dans le pays Brésil. C'est pour ça à quelque part, nous te voter pour le journal aujourd'hui mardi. Nous te vraiment content avec vous pour être capable d'informer vous. L'invité seulement pour être capable de souhaiter vous passer un très bon mardi sur TNH. Rendez-vous avec nous-mêmes, c'est demain matin pour l'autre édition nouvelle. Bye bye tout le monde.